de mots par pas qui je suis. Donc, connais-toi toi-même, c'est le fondement même de la vie humaine. Mais je ne sais pas si je me connais moi-même. Je dirais tout simplement, en parcourant très très rapidement ma carrière, que j'ai fait mon école primaire à Bagny, il y a bien longtemps. Ensuite, le lycée Maurice de la Fosse, et après le lycée Banque Colonel. Pour résumer mes études, j'ai été, je peux dire sans complexe, j'étais le meilleur de ma classe, de la 5e à la classe terminale, mathématiques élémentaires, comme on l'appelait à l'époque. Ensuite, je suis allé faire des études supérieures en France, les classes préparatoires de l'école, la Sorbonne, l'école nationale supérieure des télécommunications. Je suis sorti ingénieur civil des télécommunications. Et je me suis spécialisé à la fin des années 60 dans les télécommunications par satellite. C'était un domaine tout à fait nouveau. Je peux dire aujourd'hui beaucoup de fierté, pas pour moi, mais pour le Sénégal. J'étais le premier Africain à me spécialiser dans ce domaine il y a un peu plus de 40 ans. Après cela, je suis rentré au Sénégal et j'ai participé à la construction de la station terrienne de télécommunications par satellite de Gandoum, qui a été inaugurée par le président Senghor le 5 avril 1972. Gandoul a été l'une des toutes premières, je peux même dire la première station de télécommunication par satellite du continent africain. Donc c'était une fierté pour le Sénégal. J'ai eu à former beaucoup d'ingénieurs et de techniciens, non seulement sénégalais, mais africains d'Afrique francophone, même à partir d'Afrique anglophone. Des ingénieurs venus du Libéria ou de Sierra Leone. Après cela, j'ai été nommé président directeur général de la Société de télécommunications internationales du Sénégal, Télé-Sénégal, que j'ai dirigé pendant des années. Et à la tête de cette entreprise, j'ai eu à mettre en place tout un réseau de câbles sous-marins téléphoniques vers l'Amérique du Sud, vers l'Europe, et tous ces câbles centrés sur Dakar. Nous avons essayé d'introduire le numérique il y a longtemps déjà au Sénégal, c'est pas nouveau. Je dois dire que déjà en 1978, le Sénégal a été, je pense, l'un des tout premiers pays africains à mettre en place un central Telex numérique, électronique. Et ensuite, bien plus tard, en 1985, nous avons pris la décision de mettre en place des centraux téléphoniques numériques dans toute la ville de Dakar et même dans tout le Sénégal. Et donc il y a longtemps que le Sénégal... Plus heureusement d'ailleurs que nous l'avons fait. C'était à l'époque un programme très important de plus de 100 milliards de francs CFA. Ce qui fait qu'à l'avènement d'Internet, à la fin des années 90, ben le Sénégal était pratiquement prêt. Parce qu'il y avait partout des centraux numériques. Et le numérique, c'est l'avenir. Je disais déjà à l'aube du numérique, il y a plus de 30 ans à l'époque, il y avait juste en début, je disais que le Sénégal devait se lancer dans le numérique, de se préparer à développer des activités dans le numérique. Et maintenant, nous sommes en plan. Et à la tête de la Commission nationale de la connectivité, récemment, il y a encore 3 ans, j'ai essayé, sous l'autorité du président de la République, bien sûr, d'harmoniser, de coordonner les activités numériques de toutes les entreprises qui sont impliquées dans ce secteur.
commencer par les opérateurs de téléphonie mobile, les agents de l'État qui s'occupent du numérique et de l'ensemble des sociétés qui s'intéressent au numérique. Donc pour moi, je dois dire que je suis très content chaque fois que je vois un Sénégalais créer une start-up. Il y a un certain nombre de jeunes. J'ai été faire il y a quelques mois un tour au centre de TIC de Dakar, tout près d'ici. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui, dans ce domaine, créent des start-up. Et c'est un secteur où on n'a pas besoin de capitaux énormes. On a surtout besoin d'idées. Et je sais, mais pour avoir des idées dans ce domaine, il faut aussi bénéficier d'un minimum de formation. Donc je pense que l'État du Sénégal et les privés sénégalais tous ensemble doivent tout faire pour rassembler les jeunes, pour les aider à développer leurs capacités. Parce que, je ne sais pas, pas seulement au Sénégal, mais je sais qu'à l'étranger même, beaucoup de Sénégalais ont créé des startups. Et c'est un peu l'avenir. Je répète, c'est une évidence d'ailleurs, l'économie numérique, c'est l'avenir. Et là, c'est encore un autre problème. Vous savez, comme disait De Gaulle, hein, le général De Gaulle, pour faire l'Europe, il ne suffit pas de sauter comme un cabri, de crier l'Europe, que l'Europe se crée. Il faut agir, il faut réfléchir, agir. Je pense que nous avons un peuple qui est extrêmement ouvert d'esprit, extrêmement intelligent. Mais il faut des structures, il faut un environnement pour aider cette intelligence à être bien productive. Il faut que l'État mette en œuvre une politique favorisant le développement du numérique et surtout des startups. Et non seulement l'État, mais autour de l'État aussi, doivent participer des entités comme les banques. Il faut que les banques soient un peu plus ouvertes à la création d'entreprises, au soutien des jeunes. C'est comme ça qu'on va se développer. Mais il ne suffit pas de dire on va se développer. Non, il faut créer des structures qu'il faut. Il faut une volonté politique constante. Il ne faut pas passer son temps à changer d'orientation. Il faut une volonté politique solide, constante. Et mettre au point une politique de développement des startups, mais pour le partager par le plus grand nombre de gens possible. C'est simplement que vous avez constaté depuis quand même quelques années, à côté de la Sonatel, pour ne parler que des opérateurs de téléphone, il y a deux autres entreprises qui sont nées depuis. Mais ce que je peux constater jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est que la Sonatel quand même s'est très bien développée. Depuis que j'étais à la tête de cette entreprise, surtout dans la sous-région. Parce que la Sonatel, n'oubliez pas, mène à des filiales dans des pays de la sous-région comme la Guinée-Bissau, le Mali et la Guinée-Conakry. Et que la Sonatel, je pense, en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices, est de loin la première entreprise du Sénégal. Donc c'est exact, la Sonatel, c'est une entreprise qui compte. Mais il y a d'autres entreprises qui essayent aussi de se développer dans le secteur des technologies, de la formation, de la communication. En plus des opérateurs, il y a beaucoup d'entreprises privées qui le développent. Et je pense que si tout cela est bien réfléchi, bien organisé, nous pouvons faire avancer le Sénégal dans ce domaine. En tant que ministre d'État auprès du président de la République, président de la Commission nationale de la connectivité, cette commission d'abord c'était une idée originale au Sénégal. On l'avait créée nulle part dans le monde. C'est nous, Sénégalais, c'est le président, en tout le président.
Bawad et qu'il avait imaginé. Et ma mission, en fait, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, consistait à coordonner les activités de toutes les entreprises qui évoluent dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Et aussi, autre élément très important, en collaboration avec toutes ces entreprises, avec les services de l'État concernés, d'imaginer une politique à long terme de développement des technologies de l'information et de la communication. Parce qu'il n'y a toujours pas une véritable politique de développement des technologies de l'information et de la communication. Nous avons commencé le travail, malheureusement, nous n'avons pas terminé. J'espère que ceux qui sont à la tête de certaines structures vont continuer ce travail. L'État a commencé, déjà. Ce que l'État a commencé à faire, c'est mettre en place une législation. Vous savez, il y a déjà un certain nombre de lois qui ont été votées, je ne vais pas les répéter de quoi c'est long, qui consiste déjà à encadrer les activités dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et surtout d'assurer la plus grande sécurité et de fonctionnement des réseaux de TIC. Bon, et je pense que le reste, c'est un problème de gestion et de suivi. Mais c'est aussi beaucoup un problème de compétence. Parce que si vous voulez assurer une police quelconque dans ce domaine, il faut d'abord former des experts de haut niveau dans ces domaines-là, les technologies de l'information et de la communication. Et il faut être en mesure, surtout, d'avoir aussi des experts en cryptographie. Mais le terreau est là. Nous avons un certain nombre d'étudiants ou même des chercheurs dans le domaine de la cryptographie, surtout au niveau des universités ici au Sénégal et aussi au niveau d'un certain nombre de Sénégalais qui ont été formés à l'extérieur. Donc c'est en développant la cryptographie, en peaufinant une véritable politique des TIC, avec surtout comme élément central, comme colonne vertébrale, la sécurité, que nous pouvons nous en sortir, nous pouvons. Mais c'est un domaine extrêmement difficile. Comme vous le savez, même dans les pays développés, on a du mal parfois à maîtriser la sécurité des réseaux de TIC. Il faut encore un plan. Il faut d'abord une politique, un plan, des projets, tout ça bien coordonné, et qu'on développe à long terme, en mettant autant que possible au niveau de tous les points stratégiques des gens qui ont des compétences pour ça. À ce moment-là, je pense que les TIC, on pourrait aussi bien les développer à Djamnadio, qu'ici à Dakar, que même dans le village le plus reculé du Sénégal, mais à condition qu'on mette en place là-bas les possibilités d'accès au réseau Internet et au reste du monde. C'est tout. Mais il y a une. Je sais bien qu'on ne m'a pas attendu pour continuer. Il y a déjà une réflexion qui est menée. Et ce que je souhaite simplement, c'est que vraiment on réfléchisse beaucoup à ces politiques-là, surtout qu'on mette en place une politique cohérente et tout ça inscrit, je ne cesse de le répéter, dans une vision à long terme.